votre confrère, l'abbé Schutzig. C'est un prêtre brésilien qui aurait dû déjà rejoindre le séminaire, mais sa maman est décédée il y a 2 jours d'un cancer. Donc voilà, il était au chevet de sa maman les derniers mois. Donc nous la confions à vos prières, ainsi que toute la famille de cet abbé, que nous attendons ici dès que possible, qu'il soit sûr de notre soutien et de nos prières. Voilà, nous remercions monsieur Antoine Bruno d'avoir écrit la veillée que vous allez suivre aujourd'hui en honneur du serviteur de Dieu, le général de Senis. Alors Antoine Bruno, c'est un ami du séminaire, écrivain, historien, conservateur du musée d'histoire de la guerre à Loigny, la bataille, donc qui est à 50 km du séminaire. Et donc nous avons voulu honorer la personne du général de Senis parce que c'est un exemple de fidélité à Dieu, de fidélité à la patrie. Alors exemple que beaucoup ont suivi ces jours-ci aux manifestations pour la messe. Soyez assurés de nos prières, de notre soutien. Et donc voilà, nous allons vous présenter une histoire qui s'est passée il y a 150 ans exactement, le 2 décembre 1870, lors de la bataille de Loigny, donc où est intervenu le général de Senis avec ses anciens zouaves pontificaux, cette charge héroïque, ce sacrifice d'homme qui a permis que stratégiquement des avantages considérables pour la France, et la caméra a failli tomber. Voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne veille. Merci, monsieur le recteur. Quelle vie singulière, quelle vie ai-je donc vécue, moi, Louis Gaston de Senis ? Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 1887 et je m'endors calmement dans la paix du bon Dieu. Mais qui ai-je été ? De mon père, je tiens mon nom. Jean-Baptiste de Senis était officier dans l'armée française et affecté en Guadeloupe où il rencontre ma très chère mère, Marie de Bébian, fille d'une famille de planteurs. Je nais donc dans cette petite parcelle de terre française le 25 août 1825. Mon père est rappelé en métropole. Je dois le suivre pour poursuivre mes études. Maman promet de nous rejoindre. Malheureusement, la vie en décidera autrement et elle décédera en 1835 sans que je ne l'aie revue. Thank you.
découvre rapidement le prix d'année militaire de la flèche. Mais qu'il fait froid sur cette terre d'exil. Petit à petit, je m'éloigne des promesses faites par moi lors de mon baptême. L'air du temps, l'anticléricalisme ambiant me rattrape. Je quitte le bureau des Brucions pour rejoindre Stanislas, puis Juilly. Ma foi y est encore mise à l'épreuve. Quelle irréligiosité de mes contemporains. Mais le choix de vie est fait. Je suivrai celle empruntée par mon père. Le choix des armes, une vie d'homme. Je parviens à intégrer la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr.
mais revenu dans les bras du bon Dieu. La vie d'un élève officier catholique n'est pas simple à Saint-Cyr. Toujours cette haine de Dieu partout présente. Nous ne sommes qu'une dizaine à nous rendre à la Sainte Messe. Sortant de la spéciale, je choisis d'intégrer la noble cavalerie et prends la direction de l'école de Saumur. Je ne tarde pas à faire la demande à son père et j'épouse ma chère Anaïs. Je vis la vie d'un jeune officier et jeune époux. Je rencontre naturellement mes frères de loge. À la première réunion, quelle n'est pas ma stupeur, toutes mes croyances sont foulées aux pieds, le bon Dieu raillé, la superstition chrétienne moquée. Je n'en peux plus, c'en est trop. Je me lève et bouscule cette assemblée de notables. Je m'écrie. Ah ça, messieurs, où suis-je tombé ici? Mais c'est un piège! On m'avait dit que la religion serait toujours respectée et on l'insulte. Vous n'avez pas tenu vos promesses, je suis délié des miennes. Vous ne me reverrez plus. Bonsoir. Peu de temps ensuite, mon régiment doit partir vers la nouvelle terre française d'Algérie. Je ne savais pas encore que l'essentiel de ma carrière se déroulerait sous la chaleur du désert. Thank you.
Mon régiment est envoyé combattre lors de la campagne d'Italie de 1859. Je suis à Solferino. J'y combats, comme toujours, avec l'aide de Dieu, sans haine pour l'ennemi. Au soir de la victoire, je me rends sur le champ de bataille. Quel désastre! Que de souffrance! Je m'approche d'un malheureux soldat autrichien qui souffre. Je décroche la gourde qui pend à la selle de mon cheval. Je l'aide à boire. Devant ses yeux reconnaissants, et son sourire presque enfantin, je lui pose une main fraternelle sur l'épaule et lui glisse simplement un mot pour qu'il comprenne, toujours faire son devoir, mais combattre sans haine. Camarade. Plus tard, elle écrira « Nous étions bien heureux alors, mais notre bonheur fut aussi complet qu'il est possible de le rêver en son monde. Tous les jours, nous remercions Dieu de nous avoir donné l'un à l'autre.
Nous n'avions vraiment qu'un cœur et qu'une âme. Celui de mon cher Gaston était un trésor de bonté et de tendresse, un cœur d'une exquise sensibilité, avec une âme des plus viriles et d'une fermeté rare. Ah, ma chère Anaïs, oui, il en faut de la fermeté dans ce monde pour aimer et aimer Dieu. Je transmettrai ce trésor à nos enfants. Mais soudain, sur la terre de France, les bruits de bottes se font entendre du côté du Rhin. Les armées coalisées autour du roi de Prusse débordent nos troupes. J'en appelle au ministre de la guerre. Rapatriez-moi. Ma vie pour la patrie est en danger, pour la patrie en danger. Mais je suis pas trop connu pour être catholique et royaliste. On ne veut pas de tels officiers dans la toute jeune République. Je réponds alors que je démissionne et que je vais chercher à m'engager comme simple soldat. Les politiciens se plient. Ils finissent par me confier le commandement du 17e corps de l'armée de la Loire. Je prends mon commandement dans la plaine de Beauce, cette même plaine qui a déjà vu une grande sainte combattre à Pathé en 1429. Charette est là avec sa toute nouvelle bannière. Il me la présente avec un bonheur non dissimulé. Je lui confie alors qu'il ne faudra la déployer qu'au moment du combat. En d'autres temps, elle pourrait faire sourire les esprits railleurs. Mais lorsque le clairon sonne, plus personne n'a le cœur à rire.
sur l'emplacement même de la bataille de Jeanne d'Arc dans les champs de Bathée. Nous cantonnons dans le froid et la neige. Au matin du 2 décembre, alors que la lune est loin d'être couchée, je reçois l'ordre de me porter sur le village de Loigny, à une dizaine de kilomètres. Les oies de charrette n'entendent pas marcher à l'ennemi sans avoir participé au Saint-Sacrifice de la messe. Leur aumônier, le brave père dominicain Jousseau, entre dans l'église du village et s'apprête. Nous sommes le premier vendredi du mois. Messe du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ite missa est, brève action de grâce. Nous nous équipons. Mes braves oies prient en marchant au combat. En arrivant à proximité du champ de bataille, quel désastre nous découvrons. L'armée française semble en déroute. Je m'active alors pour tenter de ramener au combat les hommes qui se débandent. Je frappe ceux qui tombent à ma portée du plat de mon sabre. Rien n'y fait. Je me précipite alors vers mes valeureux oies pontificaux. Je m'adresse à Charette et lui dis que le moment est venu de dévoiler le drapeau qui lui a été confié par M. Papin Dupont, le saint homme de Tours, qui a redécouvert le tombeau de Saint-Martin. En fait de drapeau, c'est une bannière d'un blanc immaculé qui a été brodée par les visitants dignes de Paris le Monial. Sur son alaire est brodé le Sacré-Cœur avec ses simples mots « Cœur de Jésus, sauvez la France ». La bannière claque au vent de la plaine. Regardant ces hommes à l'âme affermie, je leur dis simplement, avec tout l'élan de mon âme et de mon cœur, « En avant, suivez-moi !» Montrons ce que valent des hommes de cœur et des chrétiens. Un seul cri me répond qui semble sortir d'une seule et même poitrine. Vive la France, vive Pie-IX, vive le Sacré-Cœur. Et l'on s'élance. Un jeune zouave d'à peine 18 ans se précipite à mon cou. Merci mon général de nous emmener à pareille fête. Nous sommes 800 à charger. 300 zouaves pontificaux et 500 volontaires du côte du Nord. La charge est rude. L'on bouscule près de 8000 Bavarois, mais le sort des armes ne nous est pas favorable. Je suis dans les premiers à tomber, la jambe fracassée. Sur ces 300 braves, seuls 102 en sortiront indemnes. Le sang français et catholique est venu inonder le sol beauceron sans retenue. Notre appel ne s'est pas.
Thank you.
Chartres, Mgr Raoul Arcouet, a introduit la cause en béatification du général de Senlis. Ce procès est toujours actuellement en cours à Rome. Prière du général de Senlis. Mon Dieu, me voici devant vous, ô petit dénué de tout. Je suis là à vos pieds, plongé dans mon néant. Je voudrais avoir quelque chose à vous offrir, mais je ne suis rien que misère. Vous, vous êtes mon tout, vous êtes ma richesse. Mon Dieu, je vous remercie d'avoir voulu que je ne fusse rien devant vous. J'aime mon humiliation, mon néant. Je vous remercie d'avoir éloigné de moi quelques satisfactions d'amour propre, quelques consolations de cœur. Je vous remercie des déceptions, des inquiétudes, des humiliations. Je reconnais que j'en avais besoin et que ces biens auraient pu me retenir loin de vous. Ô mon Dieu, soyez béni quand vous m'éprouvez. J'aime à être brisé, consumé et détruit par vous. Anéantissez-moi de plus en plus. Que je sois à l'édifice, non pas comme la pierre travaillée et polie par la main de l'ouvrier, mais comme le grain de sable obscur, dérobé à la poussière du chemin. Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir laissé entrevoir la douceur de vos consolations. Je vous remercie de m'en avoir privé. Tout ce que vous faites est juste et est bon. Je vous bénis dans mon indigence. Je ne regrette rien, sinon de ne pas vous avoir assez aimé. Je ne désire rien, sinon que votre volonté soit faite. Vous êtes mon maître, et je suis votre propriété. Tournez et retournez-moi, détruisez et travaillez-moi. Je veux être réduit à rien pour l'amour de vous. Ô Jésus, que votre main est bonne, même au plus fort de l'épreuve. Que je sois crucifié, mais crucifié par vous, ainsi soit-il. Cœur de Jésus, sauvez la France et glorifiez le général de Senlis. Benedictio de omnipotentis, patris et filii, et spiritus sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Merci de nous avoir suivis.